À go, ok? 1, 2, 3, go! Allô les filles! Allô les filles! Aujourd'hui, je fais comme une espèce de vlog, vidéo d'achat. Ouais, c'est comme un mélange un peu, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup qui me l'ont demandé. Je m'excuse, j'avais pas de faire du bruit. Mais ouais, il y a beaucoup qui me l'ont demandé, dans le fond, de faire comme un compte-rendu de mes compétitions, genre que j'ai eu dernièrement. Puis là, j'ai vraiment acheté beaucoup de linge. Fait que là, je vous fais une vidéo de linge que j'ai acheté plus pour faire du sport. Puis je vais sûrement faire un autre pour mes autres achats, parce que sinon, on finira plus pour avoir une vidéo de 41 minutes, là. Ça va être l'enfer. Fait que c'est ça. Fait que, premièrement, mais là, j'ai enlevé ça, là. sinon, je fais du niveau 4.2, ce qui veut dire 4 en niveau de stunts, puis 0.2 en gym, parce que j'ai aucun talent en gymnastique. J'ai déjà fait du niveau 5, puis c'est ça. Fait que voilà la petite capsule cheer. Sinon, c'était vraiment hot. En fin de semaine passée, on est allé au Canadien à Montréal, ben à Sherbrooke en fait. Puis la fin de semaine d'avant, c'était les championnats nationaux à Niagara Falls. Je pense que de toutes mes années de cheer, ça fait 6 ans que je fais du cheer. Puis en 6 ans, c'était mes deux plus belles compétitions à vie. Là, pour vrai, y compris les performances, puis y compris l'ambiance, genre avec tout le monde. Puis c'est ça, là, c'était vraiment hot. C'est parti là! Histoire, ok? Là, je sais toujours pas c'est quoi le résultat des résultats, mais on a eu des déductions vraiment bizarres, là, que les... En tout cas, c'était vraiment bizarre. Le mot d'ordre, c'est bizarre. Fait qu'on sait comme pas si on est troisième ou deuxième encore, mais en tout cas, on a eu notre médaille, là. Au moins, on est dans le top 3, fait que ça, j'étais quand même contente. Mais, ouais, ça, cette compétition-là, c'était fou, 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 là. On était 4 jours à Niagara Falls. Puis on avait chambre, à, ben suite en fait, avec vue sur la chute là, en ce cas c'est les valises, ça c'est mon zoo, parce que je me suis fait un zoo, ça c'est un panda, je sais que c'est un raton laveur, il y a une baleine, oh. Il y a des singes, des chiens, ça c'est notre coin bouffe, ce que tu vois, il y a plein de nourriture, puis de l'alcool, ça c'est pour les, la chance. Ça, c'est Amélie qui mange dans son coin, on dirait un petit singe. Ça, c'est la chute Niagara. Oui. Je sais pas si elle la voit. Oh, oh, il y a beaucoup de soleil, là. Peut-être qu'elle la verra pas. Can you see? C'est les chutes Niagara Falls. Ça, c'est un divan lit plein de concombres, puis de pâtes, puis de graines. Ça, c'est les cheveux à Tracy. Salut! Elle dit salut avec... Sinon, ça c'est notre médaille des championnats canadiens à Sherbrooke, avec la bandoulière rose. En tout cas, nous, au début de la journée, on s'est dit on veut une médaille d'or parce qu'avec une bandoulière rose comme ça, c'est tellement plus beau or. Puis comme de fait, on a fini première. Sérieux, j'étais tellement contente, là, on pleurait de joie, là, c'était vraiment trop hot. Fait que c'est ça, fait que j'ai comme rien à dire, puis je veux comme pas en rajouter parce que ceux qui connaissent pas le cheer, c'est vraiment plate. Pour vous. Fait que c'est ça. Mais en gros, j'ai vraiment passé deux fins de semaine vraiment fantastiques avec mon club, puis c'était vraiment le fun. Fait que je vais vous montrer le linge que j'ai acheté. Là, premièrement, je vais vous montrer le linge que j'ai acheté sur le site de compétition, parce que... Ben, c'est pas le même dans tous les sports, là, parce que j'ai quand même fait beaucoup de sports, puis comme pas... Je pense que le cheer, c'est le sport qui a le plus de gilets puis de trucs que tu peux acheter, là, c'est n'importe quoi, là. Dont le gilet que j'ai sur moi présentement, je sais pas si vous voyez, c'est écrit « Cool Stunt Bro ». Puis en bas, c'est écrit « Do it, hit it again ». Genre, trop malade, là. C'est genre mon t-shirt préféré. Après ça, là, découragez-vous pas, là. Moi, vous savez que je suis une fille qui dépense beaucoup, là. Mais dites-vous qu'à mes compétitions, c'est genre, je dépense, mais il faut à 1000 encore plus, là. Enfin, ça coûte pas cher, en plus, fait que c'est pire. Puis ça me fait plein de linge pour faire du cheer, fait que, tu sais. Puis faire du sport, puis aller courir, puis faire du roller. Fait que dans le fond, c'est comme des bonnes dépenses, là. C'est pas du linge... inutile. Fait que j'ai acheté cette camisole-là, et genre vraiment trop flash, je l'aime vraiment trop là. C'est écrit « Bows before bros », puis on trouve ça trop drôle. Fait que je l'ai acheté avec deux de mes amis. Après ça,
j'ai acheté cette camisole-là. Il y avait du linge de Team Canada parce que oui, il y a une Team Canada de cheerleading. Fait que c'est ça. Puis là, on avait... Je me suis acheté cette camisole-là. C'était écrit I may not be perfect, but I'm Canadian and that's close enough. Fait que c'est quand même très drôle avec le petit signe du Canada en arrière là. C'est vraiment official. Après ça, on s'est pris un espèce de tie-dye là, comme ça là. On se trouvait ça trop drôle là. Il est trop flash là, regardez, on peut pas genre... Je traverserais la rue genre 3h du matin sur l'autoroute puis je pense que je me ferais même pas frapper là avec ça là. Il flash vraiment. C'est écrit Live, Love, Cheer. Puis en arrière, on a fait rire notre nom. Puis là, ben, vous voyez peut-être pas parce que c'est vraiment écrit en gros là, mais c'est écrit Kim avec deux M. Ouh! Fait que c'est ça. Lui, je l'ai vraiment, on dirait une explosion de bonheur si je l'ai eu. Ça va être le fun de courir avec ça. Après ça, j'ai acheté un petit gilet de la compétition. Là, à chaque année, j'en achète un pour comme un souvenir. Là. Fait que ça, c'était le gilet de la compétition officielle. Avec toutes les équipes qui participaient derrière. Comme ça. Après ça, oh, ça c'est un gilet que j'ai fait faire. C'est écrit... Big Bows and Night Pros. C'est quand même frais. Après ça, y a-t-il autre chose? Moi, j'ai mis un petit cœur en brillant en avant. Parce que là-bas, tu peux faire tes gilets comme tu les veux, là. Fait qu'après ça, que j'ai fait écrire en arrière, j'ai fait écrire... Forget glass slippers. This princess wears infinity. Pis des infinity, c'est genre les espadrilles que vous voyez là. C'est des souliers comme... Pas officiels, mais... Le 90% des cheers doivent porter ces souliers-là, là, c'est genre les souliers par excellence pour faire du cheer. Fait qu'en gros, ça dit que... C'est ça. Après ça, dans le bas, il y a comme un hashtag cheer comme ça, là. Je trouve ça trop drôle, là, vu, tu sais, avec Instagram, Facebook, à ce temps où le monde abuse vraiment du hashtag. Fait que là, d'avoir un hashtag cheer sur mon gilet, je trouve ça drôle. Haha. Après ça, on est allé... Niagara Falls, c'est juste à côté de l'État de New York. Là, j'ai pas dit la ville, j'ai dit l'État de New York, parce que l'État de New York est relativement grand. Puis, dans l'État de New York, il y a Buffalo. Puis, on est allé magasiner à Buffalo. Fait qu'on a passé aux douanes avec notre petit passeport. Parce qu'on avait checké la veille, genre, parce que nous, habituellement, en équipe, on monte en autobus, OK? Mais nous, on est 5 filles à avoir décidé qu'on montait à Niagara Falls en char. On est folle, mais bon. Ouais. Fait qu'on est monté à Niagara Falls en char. C'était fucking long. Pis c'est ça, mais c'était vraiment le fun, là, ça valait la peine. Puis là, vu qu'on avait le char, ben, on a décidé qu'on allait aller magasiner un peu en dehors de Toronto. Fait qu'on est allé à Buffalo. C'était genre à 20 minutes de notre hôtel, il y avait des outlets. Puis il y avait genre Under Armour, puis plein de magasins vraiment hot, là, genre Burberry, il y avait plein de guests. Il y avait genre... Oh, c'était la vie, là, c'était vraiment la vie. Fait qu'on est allé au Under Armour. Moi, je dis tout le temps Arm & Armour, comme la petite poudre, là, mais je sais, c'est pas ça, là, en tout cas. On est allé au... Under Armour, puis j'ai acheté vraiment des choses, là, j'ai vraiment abusé du concept, mais on dirait que je peux pas m'en empêcher, puis je les utilise vraiment, là, je suis vraiment contente de mes achats, c'est genre, pour aller faire du roller, puis aller dehors, comme je vous disais tantôt, là, c'est vraiment parfait, là. Fait que là, j'ai acheté des petits gilets, tu sais, comme, je sais pas comment expliquer ça, là, ce tissu-là, c'est genre vraiment confortable, là. Mais en tout cas, j'en ai acheté un rose, comme ça, évidemment, je peux pas me passer du rose. Après ça, j'en ai acheté un pareil, mais comme corail. Mais là, ouh, il sort vraiment orange, OK, mais je vous confirme que c'est corail. Arc, il sort vraiment orange, c'est dégueu. Mais, ouais, il est corail, pas orange, j'aime pas l'orange. J'ai des culottes qui vont avec le petit gilet. Ah, ça sort plus corail. En tout cas, c'est plus ce corail-là, mon gilet, OK? Puis, on a des petites culottes comme ça, là. Genre comme 3/4, là, pour courir. Faire du cheer, ben peu importe. J'ai acheté un top ici, mais lui, je l'ai acheté au Adidas parce que il y en avait même pas au Under Armour. J'étais fâchée. Fait que là, je me suis dit, faut que j'aille un top pour fitter. Fait que je suis allée m'acheter un top Adidas. De la même couleur que mon gilet puis mes pants. Après ça, j'ai acheté un autre gilet comme dans le tissu que je suis pas capable de vous expliquer, mais noir. C'est comme un v-neck, là, je sais pas si vous voyez, là. En tout cas, c'est vraiment de la bombe, ces gilets-là. Sérieux, là, je capotais. Puis finalement, chez Under Armour, j'aime ça dire ce mot-là, j'ai acheté des shorts comme ça, j'ai trouvé trop belles, genre comme turquoise, là. Puis ils sont vraiment dans le même tissu que le gilet, là. Je sais pas expliquer ça, mais ils sont confortables. Voilà! Ah, puis ça, je me trouvais trop drôle, là. J'ai trop l'air conne, là, mais je l'ai acheté au Dollarama, ça, OK? C'est un top de sport.
Oui, au Dollarama. Je le mets pas genre tout seul, là. Je mets autre chose avec, inquiétez-vous pas, là. C'est genre le pire qualité de merde que j'ai jamais vu de toute ma vie, mais je l'ai acheté pour la couleur. Regardez! C'est trop beau! C'est genre rose nanane. En tout cas, je le trouve vraiment hot. Puis finalement, j'ai fait faire une tête d'oreiller parce que là-bas, tu peux faire des gilets comme j'ai montré, mais il y a aussi des têtes d'oreiller. Puis moi, à chaque année, je m'en fais faire une parce que je trouve ça trop hot. Puis là, cette année, il y avait du léopard. Puis moi, je suis genre la pire fan de léopard. Fait que c'est ça. Je peux faire écrire des affaires dessus. Fait que j'ai écrit la même affaire. J'ai écrit Big Balls and Night Pros d'un bord, puis de l'autre bord, pouf! J'ai encore écrit l'affaire de Forget Glass Slippers, blablabla. Puis là, ici, c'est écrit Love, en brillant, avec un cœur. Puis ici, c'est écrit Hashtag Cheer. Puis ici, il y a mon petit cœur en brillant. Dans le fond, pour les vides, j'ai fait mettre les mêmes affaires que j'ai mis sur mon t-shirt, dans le fond. Mais c'est parce que je trouvais ça beau, fait que c'est ça. Puis pour ceux qui se le demandent, non, ma face, elle se ramasse pas d'un brillant, genre, là, puis avec le petit cœur là. Je sais pas comment je fais, mais quand je dors, je sens absolument rien. Fait que c'est ça. Donc voilà, c'est ce qui résume mes achats sportifs de la compétition, ben des compétitions que j'ai eues les dernières fins de semaine. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je fasse d'autres petits vlogs comme ça de ma vie tellement pertinente, c'est pas vrai. Mais ouais, fait que c'est ça. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Des hosties. Ouais, c'est très bon. C'est vraiment pas bon, mais j'ai faim, fait que j'en mange. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais faire un montage.